42, and that means half of my life is over. I'm not okay being single. I don't want to be single, and I get depressed. As a person who has been single for me personally my whole life. I'm 53. I'm tired. I'm tired of doing it myself. I get my feelings hurt. I don't want to be a hookup. 3 failed relationships since my marriage had ended. And I have really missed kind of having someone to talk to. Currently, I don't date, and it's purely for the reason that I am exhausted. I am done with all of these games. I'm done with men. Why is it so hard to find your person? God, am I lonely sometimes. Et ce phénomène a un nom, ça s'appelle en anglais, ils appellent ça le wall. C'est quand, ça s'appelle le mur, hein, quand tu traduis en français, mais c'est quand elles heurtent ce mur, là elles arrivent. Oh. Mais qu'est-ce qui se passe, on m'avait pas dit? Alors qu'est-ce qui se passe, pourquoi elles ont heurté le mur? Bon, avant de commencer, je te rappelle que t'as mon étude de cas où je te montre comment j'ai fait 20 000 euros en une semaine. En gros, c'est une formation où je te montre comment créer ton business en ligne étape par étape. Et je prends une étude de cas pour pouvoir te le montrer. Et avec aussi comment utiliser l'intelligence artificielle. Alors, les gars, on est en 2024 quand même. Hein. Donc avant de créer Arnaque, regarde quand même. Hein, j'ai déjà aidé des personnes à gagner de l'argent en ligne. J'ai déjà aidé des personnes à être indépendantes financièrement. T'as tous les témoignages sur ma chaîne. Tu peux même contacter les gars si jamais t'as des doutes. Hein, rien de nouveau. Donc profites-en, c'est gratuit. Donc Géraldine, elle s'aperçoit que la plupart des options qu'elle a, c'est plutôt pour du court terme. Et alors au début, sûrement, elle devait dire « Wouh, faut profiter de la vie, les filles !» Puis à un moment donné, ça commence à l'énerver. Et là, elle commence à faire « Tu vois, elle commence à rager un peu. We started chatting and it took him about 30 seconds to try and get his virtual hands down my virtual pants. Come on, ask me about my kids or my life or my musicals or whatever. Just not that. Not so quickly. Say they want a relationship and they don't. They just want options. And you'll need a little blue pill to get it up. And your bald head. I am baffled the fact that I'm single. I am the full package. Like, let's face it, we're over 40. I'm 47 now. Like, I just want to go and enjoy the next 50 years with someone. Mais même quand tu y penses, les hommes que tu veux, Géraldine, tu les insultes de tous les noms. Tu dis que t'as pas besoin d'eux, qu'ils sont inutiles, c'est des prédateurs, insécures, pervers narcissiques, enfin tous les mots buzz. Et celui qui me fait toujours rire, c'est ils peuvent pas gérer des femmes fortes et indépendantes. Les gars ont peur. Why are men terrified of an independent woman who knows what she wants? Je me suis toujours dit qu'il faut quand même une forte imagination pour te dire les hommes, ils ont peur de nous. Trop forte, trop indépendante, trop forte. Ils n'arrivent pas, ils peuvent pas, ils ont peur, ils tremblent, les gars. Je ne comprends pas. Non, c'est juste que bah, c'est pas sexy, quoi. Enfin, voilà. Et puis en plus, je sais pas, toi, tu aimes bien les gens qui disent on n'a pas besoin de toi? À quel moment tu dis dans ta tête, quand je dis à un homme, j'ai pas besoin de toi? Ça, c'est un truc que tout de suite, ça l'excite. Il dit, ah, elle, j'ai envie de faire une famille avec elle. Mais bon, de toute façon, comme tu le sais, c'est toujours la faute des hommes. C'est le problème. Quand elles heurtent le mur et qu'elles arrivent dans la street infinie, elles sont là. De toute façon, c'est eux. C'est le problème. Bah, ça peut que être eux. Donc, elles ont avalé la narrative de, oui, on est comme les hommes. Il n'y a aucun problème. Il n'y a pas de problème d'âge. Nous, on peut, à tout âge, on sera toujours à notre pic. Et nous, on vieillit comme le bovin, comme les hommes. On est pareil, de toute façon, on est pareil. C'est la même chose. Voilà. Donc déjà, je pense que ça, c'est une des raisons qu'elles se prennent le mur. Parce que finalement, quand elles arrivent, ah, mais il y avait un mur ici, mais j'avais pas vu. Ah bon, qui l'a mis là? C'est au dernier moment là, hein? Eh Gérard, c'est toi qui fais des blagues? Alors qu'à leur vingtaine, les gars, ils faisaient la queue pour pouvoir se poser avec elles. Mais là, c'était pas le bon moment, trop jeune. Quand tu y réfléchis, et ça, c'est le truc normal. Bah non, je suis trop jeune pour me poser. 25 ans, trop jeune, j'attends 30, tu vois, j'attends de ne plus être à mon pic. Comme ça, je serai sûr de ne pas pouvoir avoir le gars que je veux avoir. Model woman. Et donc du coup, elle arrive à la trentaine et elle commence à perdre espoir. So, it's hard out here, man. I'm just like not looking forward to trying to explain to a man what I do for a living, tell him how many siblings I have, what I like to do for fun. But... So I did it today. I actually deleted my dating app. And also, I'm just not feeling like dating. I basically deleted all the apps. Ghastly frigging apps. Have you even any idea how ridiculously horrible they are? I want something real.
not out there. Not for me. Ouais, bon, bah là, c'est vrai qu'il y a un peu moins d'ambiance. Tu me diras, là, là c'est pas pompé l'op. Là, ça zouk pas, là. Là, il n'y a pas de zouk. Vas-y, Frankie, c'est... Non, non, Gérard, c'est pas le moment, là. Et si tu penses que c'est un cas isolé, alors là, détrompe-toi, il y a sa pilule de partout sur TikTok. Et toutes ces femmes-là ont toujours le même discours, le même mantra qui est « Je connais ma valeur. J'ai une valeur de... » Vraiment, c'est très élevé. C'est dans, à peu près au niveau des étoiles. Et donc, c'est pour ça que j'ai des exigences. Parce que quand le gars il va pouvoir m'avoir, il sera vraiment content parce que vraiment, il sera gagnant. Donc moi, quand je pose comme ça, quand j'écoute ces femmes-là, comme ça, Géraldine, je me dis, mais Géraldine, mais c'est comme si t'es un vendeur, t'as un produit, t'es sur un stand, il n'y a personne qui veut ton produit, tout le monde va dans les stands aux alentours, personne veut ton produit, t'es tout seul, t'as pas de client. T'as personne, il n'y a pas de prospect, il n'y a même pas de gens à qui tu... Personne ne te parle, d'accord? Mais toi, tu es là, tu dis, hey, par contre, j'ai des standards très élevés. Hein, tu vois un gars qui passe comme ça au loin. Hé, Gérard, ouais, le gars, ouais, qu'est-ce qu'il y a? C'était juste pour te dire que ce produit-là, c'est pas pour toi. Non, mais je préfère te dire, c'est pas pour toi. Non, tu ne seras pas client, toi. Nous, on cherche des trucs vraiment beaucoup plus... non, pas du tout. Et le gars, ouais, mais enfin, je compte aller sur le stand d'à côté. Ouais, non, même, de toute façon, vaut mieux parce que le produit n'est pas pour toi. Enfin, t'as pas de clients, mais t'as des standards super élevés. Enfin, ah, il nous compare à des produits. C'est une analogie, Géraldine. Et tu sais, tes neurones, j'ai l'impression que ça fait longtemps. Hein. Les connexions, là, n'est pas convaincant. En plus, c'est bon pour prévenir l'Alzheimer. Donc, n'hésite pas à utiliser des neurones. Mais Géraldine continue à dire, voilà, que moi, je suis une opportunité de ouf. Et elle reste dans l'incompréhension quand elle voit que les gars ne veulent que du court terme et pas de relation. Ils sont bizarres, hein. 50 years old, single, I'm dating, found nothing but lying. Very confusing because I am a freaking delight. Maybe I'm being picky or maybe I just have standards. I have an incredible career. I am truly living my best life. And so the man that is going to come into this life is going to have something of value to offer me. He's going to make this great life greater. Moi, j'ai jamais vu un objet qui a grave de la valeur et qui a aucun client pour acheter l'objet en question. Jamais vu ça. T'imagines, t'es là. Donc ça, cette paire de Jordan, elle a été portée par Michael Jordan. Lui, c'est lui. Cette paire-là, c'est quand il a fait le dernier shoot qui a permis de gagner. Ok, ça, et il a signé, ok, qui veut? Et là, genre, personne ne prend, personne n'achète, ça n'existe pas, j'ai jamais vu ça, moi. Alors, calme-toi, Géraldine, j'ai pas dit que tu n'avais aucune valeur, je pense juste que peut-être que tu t'es mis un petit peu trop haut par rapport à la réalité, et donc, du coup, tes décisions, ben, ne matchent pas, il y a une différence, il y a un gap, là, il faut que tout soit ensemble, hein. Ce que tu attends du marché, ce que tu peux réellement avoir et vraiment ta valeur, quoi. Et pour ça, il faut connaître ta valeur, hein, réelle. Que si tu crois que tu es une paire de Jordan, oh là, elle m'a comparé à une paire de baskets. Si tu crois que genre, tu es une paire de Jordan, portée par Jordan, signée par Jordan, alors qu'en vérité, tu es plutôt une paire de Arvex, je sais que cette marque n'existe pas, mais c'est à l'ancienne, elle existait. Ah bah, c'est pas pareil. Hein. En tout cas, si tu es une paire de Jordan, tu es au courant. Et tu n'es pas sur TikTok. À te plaindre. Il y a donc deux catégories de femmes qui heurtent le mur. Les féministes qui n'ont pas besoin d'hommes, mais qui veulent un homme. Ne me demande pas d'explications, je te répète ce qu'elles disent. Let me make something perfectly clear to you. I do not need a man. I don't need a man. I want one. I think is I don't really need a man. I just want one. Et le second groupe sont des femmes féminines qui aiment les hommes, qui ont besoin d'un homme. I have really missed kind of having someone to talk to even about the little things, and I'm ready now to sort of meet the person that I'm going to grow old with. I want to sit on a bench and eat chips, you know. Ouais, je sais que ça fait plaisir à entendre. Tout de suite, t'as envie de... Alors, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Je peux t'aider, tout ça? Ah ouais, t'as crevé. Bon, attends, bouge pas, je vais t'aider, c'est normal. Alors que celle du premier groupe, là, la féministe, elle a crevé. Bon, de toute façon, t'es forte et indépendante. Tu peux gérer ça. Allez, courage, buddy. Donc, on est quand même en droit de se poser la question, mais pourquoi les femmes féminines qui veulent un homme, qui aiment les hommes, pourquoi elles galèrent? Très bonne question, Gérard. Ça, c'est une bonne question, ça.
think when you're single for a long time, you really, really want it to be true. You want someone to be the one. You want it to end. You want to get off this merry friggin' go round. I've never had this amount of struggle in dating in my life. Do you know what I mean? I've had long-term relationships before I was single for this big period. Tu noteras quand même qu'elle a dit qu'elle a jamais autant galéré sur le marché du dating, sous-entendu qu'avant, ça se passait quand même plutôt bien. Et qu'elle a dû croire que ça allait se passer bien comme ça, à vita internam. Donc le concept du pic de la femme, ça lui est quand même passé au-dessus. Elle est bien gentille, hein, mais quand même, ça lui est passé au-dessus. Elle devait penser que c'était des bêtises. Elle préférait croire que les femmes étaient comme des hommes, pas de problème. Elles veulent tellement être comme des hommes qu'elles se tirent une balle dans le pied. Mais donc du coup, quand même, pourquoi ce second groupe, les femmes féminines, comment ça se fait qu'elles sont encore célibataires et elles galèrent sur le marché du célibat? Pourquoi même elles sont célibataires? Elles se sont fait piéger par leur hypergamie. Parce que toutes ces femmes-là ont été en relation long terme. Et ce qui se passe, c'est quand elles sont en relation long terme, qui se passe bien, c'est juste un moment où il n'y a plus de Nutella dans le frigo. Donc du coup, je pense que je pourrais trouver mieux. Je préfère un gars qui met un petit stock de Nutella. Il y a toujours un petit stock de Nutella au cas où. Et comme elle voit que sur TikTok, les filles elles disent « Ouais, ça te déchire quand t'es célibataire, on n'a pas besoin d'hommes, tout ça, etc. » Elle se dit « Bon, et puis plus les notifications Tinder, elle dit « Bon, je pense que je peux avoir mieux. » Jusqu'au moment où elle va s'apercevoir qu'elle ne peut pas faire mieux. Qu'elle est même en train de régresser. Hein, un petit peu à l'image de Amber Rose. Elle est passée de Kanye West à Wiz Khalifa. Et puis après, on est arrivé à un gars, on ne sait pas c'est qui, et là aujourd'hui, elle n'a même pas de gars. Donc Géraldine, elle divorce, boum, voilà, même féminine ou pas, voilà. Elle se dit, bon, je divorce quand même, voilà, j'ai 30 ans, ça devrait aller. Parce que dans sa tête, c'est un pic, la femme, elle a son pic éternellement, voilà. Tout le temps, 30, 40, 50, 60, 100, 120, 130, 140 aussi. 140 peut-être, ça commence, bon. Et donc du coup, elle divorce et puis après, elle voit leur gars refaire sa vie tranquillement. Elle ne comprend pas. Parce que là, ton gars, il est à son pic, lui. Erreur stratégique complète. La stratégie est éclatée. Hein. Enfin... I was 35 and I thought, you know what, at 35, he was probably 32, I think. But we were young enough to start again. So I thought, this is the best time. We need to do it now. So we split and at first it was exciting. He's actually gone off, he's got a new wife. And, you know, he's living the life that maybe I wanted, if I'm honest. Oui, bah, j'ai bien vu, Géraldine, ça ne s'est pas passé comme prévu, mais à 35 ans, tu t'es dit, c'est le moment? Mais qui t'a dit ça? C'est ça que je me demande. Qui t'a dit ça? La personne qui t'a dit ça, quand tu avais 35 ans, il t'a dit, ah ben c'est le moment de divorcer, là, t'es encore bon. Enfin, qui t'a dit ça, en fait? Moi, je pense que tu devrais demander des comptes à ces personnes-là. C'est des féministes? Ah non mais j'avais, merci de me l'avoir dit, je savais, non, c'est pas moi, t'as bien vu que c'est pas moi, tu l'as entendu comme moi-même, d'accord. Les féministes, ben faut leur voir, faut leur poser la question, pourquoi ce mensonge, pourquoi tu mens, faut leur demander, hein. Quel est l'objet, quel est le projet, quel est l'objectif, pourquoi tu nous mens, faut leur demander, parce que finalement tu fais des stratégies sans demander aux concernés, c'est ça le problème. Est-ce que t'as demandé aux hommes 35 ans, alors comment, c'est bien, c'est mieux que 25, c'est pareil, enfin, je sais pas, pourquoi tu demandes pas? Je veux pas te donner de conseils, je veux dire, moi ça me paraît c'est quand même bien de demander au marché qu'est-ce qu'il en pense avant de se lancer comme ça. En tout cas, au moins tu connais le marché et tu sais où tu vas, parce que là j'ai l'impression qu'on est un petit peu en mode oui, ça va se manifester, mon prince charmant va arriver, il va se manifester comme ça, il va apparaître comme ça, comme par enchantement. Un peu comme les dessins animés de Disney, où Dieu va me l'envoyer. Voilà, il faut juste attendre. Parce qu'il y a une personne pour chacun d'entre nous, hein, dans ce monde. Alors imagine, on renverse la situation. Parce que ça, tu dis ça, ça passe normal, hein, c'est normal. Hein. Tout le monde sur des grands plateaux télé, grande chaîne, grosse audience, vous voyez, ça va se manifester. Ça va arriver, c'est comme ça, c'est par magie. Voilà, c'est un homme, c'est de la magie. Ça arrive comme ça. Charmant, hop, ça apparaît comme ça, comme dans Disney, pareil. Toi, tu dis un truc comme ça. Moi, j'espère aussi que ça va se manifester. Voilà, j'aimerais bien avoir une Gilo à son pic. Voilà, je suis là, j'attends qu'elle arrive. Hein. Ça va se manifester, j'ai la foi. Je pense que voilà, l'univers va me le donner. J'ai juste à attendre. Je suis là, je continue ma vie, ça va venir. Hein. Là, on sait que t'es un taré, ok? T'es là.
Ne vous inquiétez pas, monsieur, il y a des gens qui vont venir vous chercher. Oui, ils sont tout en blanc, mais c'est, voilà, c'est une question de feeling, de flow. On aime bien le blanc. Ils vont venir vous chercher, vous en mettre dans une petite pièce. Voilà, vous serez un petit peu isolé, mais c'est l'histoire de... Voilà, c'est un petit peu comme du yoga, c'est pareil. Donc non, chérie, c'est basique, la vie, c'est rationnel. Je sais que vous aimez pas trop tout ce qui est rationnel. Oui, non, trop de logique, c'est pas bon. Faut être plus dans son feeling, dans ce que l'on ressent. Non, c'est offre et demande. Si tu corresponds pas à la demande, bah tu vas galérer. C'est trop simple, peut-être. Et donc, du coup, avant de relation en relation, bah, ils n'ont pas le temps parce qu'elles font quand même des... Je pense qu'elles font surtout une bonne première relation qui est assez longue. Et puis après, elles arrivent après la trentaine et là, elles sont là. Waouh, c'est pas ce qu'on avait dit. Hein, Géraldine, tu m'avais dit que ça te déchirait. Hein, mais hein, j'ai l'impression que c'est pas... À force de vouloir chercher mieux, oui, je pense que je peux avoir mieux. C'est comme si elles sont au casino et elles mettent all-in à chaque fois. Quoi. Tout. Jusqu'au moment où bah, tu perds tout, quoi. Ah bah, y a un moment donné, tu perds toute ta mise. Hein. Et ce qui est fort, c'est que tu te dis, quand il y en a qui sont dans la galère, elles vont essayer de s'entraider, etc. Non, elles s'engrènent à se séparer. Sometimes people stay in relationships way too long past their expiration date. In fact, there may be small, subtle things going on that are actually reasons to break up. You're just overlooking them because you don't think they're significant. Voici les conseils de Géraldine. Pourquoi tu ne leur donnes pas des conseils sur comment être heureux en couple? Alors, je sais que peut-être que tu ne connais pas ça, parce que toi, tu dois sûrement te séparer après chaque lune de miel, hein, tous les 6 mois, un an, ouais, je m'ennuie, il n'y a plus de Nutella. Et comme ça, elle se sépare jusqu'à arriver sous la street éternelle. Et là, elle n'en sort plus. C'est un trou noir. Tu rentres, puis on t'oublie, quoi. Parce que même quand elles sont en relation, elles sont contentes. Le gars, il fait tout, etc. Pour elle, bah, c'est rien, c'est le minimum. Et ça ne suffit pas. So far, this series has taught me that if a woman so much as even implies that her man made a mistake, the internet will collectively tell her to dump him and that she's settling. But as it turns out, even when a woman is trying to speak highly of her man, you still tell her the same thing. And this bare minimum thing has gone way too far. This trend of bare minimum is getting ridiculous. I can't even post a TikTok anymore appreciating my partner without people commenting that it's the bare minimum or I have low standards. I literally hate this mindset so much. A man cooking, cleaning, looking after the kids is bare minimum. If my partner ever came home after I've cleaned the house all day, cooked a meal, and looked after the children, and he said bare minimum, I'd be screaming the house down. Apparently, if anything in life makes you cry, it is your man's fault, and you need to leave him immediately. Tous ces conseils de femmes modernes qui se sentent, tu sens leur ego, il est gonflé comme jamais, sont en power, hein? Moi, je mérite mieux, je veux mieux parce que t'as les notifications Tinder. La vie va te gifler. C'est même pas. Enfin, moi, j'aimerais bien que la vie te gifle pas. Hein. Mais là, quand la vie va t'a. Ça va. Bah! Ah bon? Mais c'est de la faute des hommes! C'est tous des pervers et c'est tous des tous les mots. Je sais même pas. Ah si, je me rappelle, des prédateurs. C'est tous des prédateurs. Pourquoi ils veulent des femmes plus jeunes? Non, non, c'est inacceptable. Tous des prédateurs. Parce qu'ils peuvent pas gérer des femmes fortes et indépendantes comme nous. Mais ça fait mal, hein. Je te pense même que tu entends un petit bruit de foin. Ça, c'est quand la gifle a été vraiment efficace. Hein. Parce que là, ça se la raconte et tout. À la limite, quand tu es à ton pic, il y a peut-être quelques canards qui pourraient accepter tout et n'importe quoi. Mais après, quand tu sors de là... Mais du coup, tu te demandes, à juste titre, mais qu'est-ce qu'elles veulent, c'est le minimum, ça. Je vois ce que tu veux dire, Géraldine. Tu aimes le luxe. Tu veux tout, hein. Grand, six-pack, charismatique, blindé, efféminé, mais pas trop, bêta, mais un petit peu alpha. Cela, je l'ai vraiment entendu. Hein. Je veux un alpha, mais qui des fois me laisse l'idée. Voilà. Et tout ça, évidemment, sous couvert de « je le mérite ». Alors ça aussi, ça se comprend pas aussi d'où ça vient. Qui tu mérites quoi, en fait? Qui t'a dit ça? Comment? Les féministes? Encore? Mais c'est. Dis donc, ça fait beaucoup, les gars. C'est pas moi, c'est. Apparemment, les féministes, avant. Que tu mérites de quoi? Qui t'a dit? Personne ne mérite rien du tout. Qui t'a dit que tu méritais de quoi? Déjà, de ce que j'ai vu, bon, j'ai pas l'impression que tu mérites grand chose. Bon, bon, après, c'est personnel, je comprends pas mal. Hein. Mais tu mérites quoi, en fait? Rien qui se mérite dans la vie. Enfin, tout se gagne. Et là, j'ai l'impression que t'es mal parti. C'est mal barré. Alors, comment tu comptes faire? J'imagine que tu comptes utiliser la technique de la manifestation. Use this one affirmation to become rich in 2023, promise you. I get paid to exist. I get paid to exist. Wealth is
my birthright. They've got the best manifesting hack ever. Have you got some cinnamon? We use cinnamon all the time to welcome abundance to us, prosperity, wealth, cash, money. You're going to imagine spending $1,000 every single day and spend all of it. And every single day you add another $1,000. So by the end of 30 days, you're spending $30,000. Ben voilà, ben c'est aussi simple que ça les gars. Je sais même pas pourquoi on se prend la tête avec nos business en ligne en fait. Pas besoin les gars. C'est juste, voilà, tu fais des affirmations. Je sais pas pourquoi Jeff Bezos il s'est pris la tête avec Amazon. Je sais pas pourquoi il fait ça. Je sais pas pourquoi Elon Musk il travaille. Les gars, ils veulent des fonds. Parce que je sais qu'à un moment donné, Elon Musk, voilà, il avait besoin de fonds. Pourquoi? Pourquoi se prendre la tête à demander des fonds les gars? Il suffit juste de dire je suis né pour on me paye. Et voilà, et puis l'argent arrive. Je sais pas pourquoi les gars se prennent la tête. Je sais même pas pourquoi les businessmen se prennent la tête. Peut-être qu'ils ont pas vu la vidéo TikTok, c'est peut-être ça. Mais alors que toute la stratégie, c'était juste de regarder cette vidéo TikTok et de dire je suis payé pour exister. Et l'argent tombe. Hop, manifestation. Donc tu devrais essayer, hein. Essaye tout de suite même. Et bon, alors oui, Géraldine, dans un sens, tu n'as pas tort quand tu dis que tu es payé pour exister. Oui, c'est possible. Surtout dans la fenêtre où tu es en ce moment, tu as ton pic, tu fais un petit OnlyFans. Les gens vont t'envoyer de l'argent juste parce que tu existes. Tu existes sans vêtements. Ou même pas. Même, tu peux même garder tes vêtements. Donc du coup, oui, tu recevras sûrement quelques cash app. Hein, c'est les Américains, ils aiment utiliser cash app ou virement PayPal hein, pour la traduction, hein, pour nous. Parce que je sais que... Non, mais Gérard, je sais que tu n'avais pas cash app. Cash app, c'est quoi? Cash? L'équivalent de PayPal. Mais profite parce que ça dure qu'un petit moment. Hein. Et à un moment donné, il va falloir trouver un travail. Là, ça, je sais qu'on ne te l'a pas dit aussi. Et qui t'a menti, qui t'a dit que tu vas pouvoir faire OnlyFans jusqu'à 50 ans? Parce que ça va de 20 ans à... Le pic, c'est de 20 ans à 140. Peut-être 140, tu pourras faire encore OnlyFans. Parce que de toute façon, c'est pareil. Je sais pas. Bon. C'est tout ce que j'avais à dire par rapport à ça. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire. Et les gars, on lâche rien. Et on reste déterminés. Il y a eux, il y a nous. Je suis à ton camp. Ce nouveau outil vidéo avec intelligence artificielle donne vie à toutes mes idées en quelques secondes. Laissez-moi vous montrer. On va dire que je suis un vrai amateur de bonne cuisine. Alors je vais créer une vidéo sur des bons plats délicieux. Tout d'abord, je vais sur Apollon Vidéo. Et là, je vais écrire quelque chose comme comment faire des bons plats français. Je choisis la voix, le format, si c'est sur YouTube, sur Instagram. Je clique et littéralement en quelques secondes, regardez ça. Une belle vidéo prête à être diffusée. Ça m'a pris quelques minutes. Et ce que j'aime beaucoup, c'est si jamais je veux personnaliser et faire des changements, je peux le faire. Par exemple, si jamais je veux modifier la première phrase, je clique sur éditer, je modifie la phrase. Si je veux changer aussi la vidéo d'introduction, je peux aussi le faire. Je peux changer d'ailleurs toutes les vidéos. Je vais sur éditer. Ensuite, je choisis la vidéo que je veux changer. Je cherche dans la bibliothèque une autre vidéo. Je la remplace, appliquer les changements. Et regardez ça, une vidéo magnifique. Avec tous les changements pris en compte, ce site fait gagner énormément de temps. Et comme vous pouvez le constater, il propose des vidéos incroyables qui sont prêtes à être publiées sur n'importe quel réseau social. Allez jeter un œil et profitez de 7 jours gratuits pour pouvoir tester l'application.